Bienvenue dans une nouvelle saga de jeux vidéo. Oui, ça faisait un petit peu longtemps quand même. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de jeux vidéo qui a débuté en 1999 et qui a révolutionné le genre de jeu de combat. On avait déjà Tekken ou Street Fighter, mais celui-là était différent puisqu'il voyait Link affronter Donkey Kong ou Kirby affronter Mario. Et c'était quand même assez sympathique. Des décors assez variés, hein, de Hyrule à l'univers de Yoshi, c'était cool. Puis quelques années plus tard sort un Super Smash Bros. Melee en 2001 sur Nintendo GameCube et le jeu est quand même vachement plus cool que l'épisode précédent. Déjà on retrouve plus de personnages comme Mewtwo de Pokémon, Dr Mario débloquable mais de nouveaux challengers comme Ganondorf par exemple ou Diddy Kong. De nouveaux lieux comme le Pokémon Stadium ou Hyrule viennent s'ajouter à la liste et moi j'aime vraiment bien ce jeu. Mon ami il est plus chouette quand même. Et quelques années encore plus tard, en 2008, sur la Nintendo Wii, sort le troisième épisode Super Smash Bros. Brawl. Alors, comme vous voyez, le jeu est quand même plus joli, mais aussi accueille de nouveaux personnages. Ah oui, il y a Samus Aran de la série Metroid, Wario ou encore le héros de Kid Icarus. Et de nouveaux univers s'offrent à vous. Let's go! Et on a annoncé hein, le 3 2013 que de nouvel épisode sortirait l'année prochaine sur Wii U et sur 3DS. Alors, la grande nouveauté, en plus de nouveaux personnages et arènes, c'est l'arrivée de Rockman, enfin de Megaman et de son chien Ash dans la liste des challengers et de superbes décors. Allez, on se retrouve pour une prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé.